Debout, s'il vous plaît. Debout, s'il vous plaît. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Tout naît, tout vit, tout périt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Malheureusement, la chute de nos premiers parents a tout chambardé. Et depuis lors, la mort devient une réalité de la vie. Chaque jour, nous assistons à la perte de nos parents, de nos amis, et ça nous fait tant de mal. Accepter la mort d'un être cher est un chapitre douloureux et bouleversant de l'existence.
C'est une épreuve émotionnelle difficile à surmonter. Une épreuve qui confronte brutalement à une réalité que beaucoup préféreraient éviter ou ignorer. Pourtant, parler de la mort est inévitable. William Shakespeare a dit quelque part, « Tout ce qui a vie doit mourir. » De notre côté, et Ecclésiaste a déclaré, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, pour ne citer que cela. » Malherbe a tellement ressenti la douleur que cause la mort, s'est exprimé en disant, « La mort a des rigueurs, à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. » En ce vendredi matin, 5 avril 2024, nous sommes tous réunis ici pour participer à la cérémonie funéraire de M. Louis-d'Or, lui. Une cérémonie qui nous a tant pleuré, qui nous a tant peiné. Une cérémonie qui nous a fait tant pleurer. La seule chose que nous savons, mes frères, chers amis, membres de la famille éplorée, c'est que très bientôt, la mort n'aura aucun pouvoir sur nous. En cette pénible et douloureuse circonstance, nous partageons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Courage à vous tous qui êtes frappés par cette perte. Maintenant, nous allons débuter avec le service en chantant au numéro 400 de nos recueils hymnes et louanges. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera sont les accords des hymnes angéliques. Mais je sais que joyeux ma voix au sein cantique. Ce serait comme bientôt. Que joyeux ma voix au sein cantique. Bientôt j'adorerai comme eux.
je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le Je vous invite à écouter la lecture de la parole de Dieu, lisant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 à 18. Écoutez attentivement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Courbons nos fronts pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre bon Père céleste, ce jour-ci encore, nous souffrons, nous pleurons amèrement. L'eau ne cesse de couler à nos yeux. Seigneur, Dieu trois fois saint, ta parole est la vérité. Dans le jardin d'Éden, tu as parlé à ton enfant. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jodi a encore, parole ça a frappé la vie nous. Parole ça a frappé nous fort. Et c'est lui qui conduit nous là, je vous dis, petit, ou fait Adam et Ève transgresser ta loi. Et je vous dis encore, on a crié à cause de la conséquence, à cause de la transgression de ta sainte loi. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui fait grâce. Nous pleurons certainement, mais toi, tu peux nous consoler. Nous te demandons, Père, de bien vouloir consoler ton peuple souffrant, ton peuple pleurant en ce beau matin, que ou même vini consoler, sécher de l'eau à nager, famille, toucher, parler avec you. Et nous, chaque qui est dans la salle là, fait nous comprendre combien c'est important de respecter ta loi, de marcher selon ta parole. Car un jour comme aujourd'hui, n'a fait connaissance avec la mort.
t'en prie, Père, aidez-nous pour nous comprendre que c'est réel la mort et c'est réel également ton retour. Prépare-nous, Père, d'une manière à ce que, quand tu seras de retour, nous serons tous prêts pour t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Console-nous encore une fois de plus. Nous comptons sur toi. Nous te prions ainsi. Au nom de Jésus qui vit, qui règne, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je vous propose à auditionner un chant spécial par Paula Marius. Bonne écoute. Pour ceux qui meurent en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Pourquoi il y a-t-il tant de misère? Pourquoi y a-t-il tant de misère au Père? Puisque tu peux faire jaillir en nous ta lumière, pourquoi il y a-t-il tant de douleurs amères? Sur cette terre où tout est éphémère, demandez à Dieu de prendre possession de notre vie entière afin que nous puissions lui plaire. Mon frère, ma sœur qui persévère dans une atmosphère de prière, vous ne pouvez rien prendre à la légère, car vous êtes en guerre contre l'adversaire. Satan est une bête féroce qui veut nous détourner par des douleurs atroces. Il veut que nous fassions pour notre Dieu un travail précoce. Mais il oublie que notre Père est notre coste et c'est en lui que nous puissions toute notre force. Parce que nous voulons persévérer jusqu'au bout, l'ennemi est en courroux. Il lance beaucoup de cailloux. Mais nous sommes tous à l'abri de ses coups parce que nous restons à genoux invoquant le nom de Dieu si doux. Mon frère, ma sœur, combattons avec courage, parce que nous ne soyons pas éliminés dans le triage, car très bientôt sera la fin de notre voyage. Ne vous laissez pas voiler par ce grossier personnage qui s'engage dans l'espionnage et qui veut nous calmer par un massage. En retour, nous fera tomber dans le vagabondage. Mon frère, ma sœur, n'ayons pas peur si nous restons fidèles. Un jour, nous serons au ciel et là nous formerons un panel pour rendre hommage à l'Éternel de nous avoir gardés sous ses ailes. Puisqu'il n'y aura plus de rebelles, il n'y aura plus de mots que nous ne prononcerons plus. Nous ne dirons plus aux pécheurs, viens, il t'appelle. Mais au contraire, nous dirons gloire, gloire à l'Éternel. Nous ne dirons plus, je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours. Mais nous dirons à toi, Seigneur, en ce beau jour, nous t'adressons nos chants d'amour. Ce jour, nous ne chanterons plus « Étranger sur la terre, je marche avec bonheur. » Mais nous chanterons « Qui sont ces gens au radieux visage ?» Nous ne pouvons pas chanter « Gagnons un jour cap vini. » Mais nous pouvons dire « Pour qui monde parle le cristal ça ?» C'est pour moi avec Jésus-Christ. En attendant ce grand jour, mon frère, ma sœur, combattons avec courage, car bientôt nous verrons le visage de celui qui nous a été créé à son image. Merci. Maintenant, c'est le tour de notre bien-aimée sœur Marie-Jocelyne Labranche qui nous chantera une sélection spéciale. Bonne audition. Paye la grâce, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu, bénis nous. Moi, je souhaite condoléances à la famille implorée, spécialement my daughter, Vévé, Louise, I love you, honey. Celle amie et frère, celle des adieux, croyez que nos prières vous suivent en tout lieu. Nos cœurs laissant éclore ce vœu des doux espoirs, nous verrons encore au revoir. Nous avons en patin, je le
les ciels, l'éternité. Convivant que l'homme toujours cet espoir dans les âmes de mer au Nous arrivons dans une partie spéciale, côté que nous avons une possibilité pour nous entendre des mots dans les circonstances que nous trouvons nous là. Dans un premier temps, nous allons entendre Sœur Lamercy Chol, qui va faire un petit causé avec nous. Et après cela, merci, nous allons gagner l'occasion pour nous entendre Sœur Véronie Louis, qui va parler avec nous dans le moment ça. Bonne écoute. La paix, bon Dieu avec nous. Thank you, everyone, for coming to celebrate a brother depart. Merci tout le monde qui quitte le travail, qui quitte la caille, qui vient supporter nous na peine ça. Fouet moi, c'est un monde. Son mon spécialité. Il te respecte tout le monde. Il te respecte tout le monde, petit comme grand. Il n'y a pas de jambes garder grand monde dans les yeux. Il n'y a pas de jambes garder contact monde depuis le te petit. Tel il arrive dans le dernier souffle là. Nous connaissons bon Dieu bail, bon Dieu point. Nous chaque bon jour pour nous aller, mais jour l'aller, son jour tristesse, un jour souffrance, un jour qu'est serré, qu'est marré pour famille. Nous ne connaissons qui ça, qui l'est, qui joue dans l'oubliel, parce que son monde spécial. Il ne va jamais garder grand monde dans l'elle vient la caille, si va jouer moi. Lui dit Juliette contre la merci. S'il fait le travail, on va l'entrer dans le travail, la brille. From Gawin and Dwai to my loving, gentle, patient, kind-hearted father,
Me, Dwight, and Mommy miss you very, very, very much. I wish I could say goodbye one more time, give you one more hug, have one more conversation, have one more car ride. You take me to school one more time, and even hear you talking about my red hair one more time. I know you can. I know we cannot question God because He does everything for a reason. But this kind of pain is unbearable. I try my best not to question God and try to understand that God do everything for a reason. But I will never be able to shake the pain knowing you passed 2 days after my birthday. From now on until forever, every March and every birthday, all I will think about is my father dying 2 days after my birthday. Every day when I wake up, I keep thinking you're going to come home from work and I will see you laying down, sleeping on the couch. But every day since March 20th, I've yet to see you. And it pains me so bad. It feels like a heavy weight sitting on top of my heart. Dwight is now 13 years old. And he tells me every day how he's always scared of his dad dying at the age of 13 years old because my father's dad died at the age of 13. Whew. It breaks our heart into 1 million pieces knowing that. Furthermore, I would like to thank my family and friends for their support in this hard time and for them making me understand how my dad helped form me and Dwight into the woman and men we are supposed to be. The God-fearing, God-loving, patient, and kind to those, to even the ones that we think don't deserve it. Because my dad was the definition of a God-fearing man. He minds his business, doesn't bother anyone, and does God's work. Almost everyone who knows my father will tell you the same thing. But most importantly, they'll tell you how he loves his family. Lastly, because of my dad, me and Dwight's new goal for the rest of our lives is to make it our duty to make it to heaven, because we know that when the time comes, me, Dwight, and Mommy will see you again, smiling ear to ear, with your arms open, looking and waiting for us. I know for a fact we will be reunited in heaven because of how much of a good person you are and how much of a man of God you were. March 20th, at approximately 3 a.m. on our way to the hospital, not even knowing if he was alive or not, I made it my promise to God that regardless of the outcome, I will make it my responsibility and duty to be the woman of God I'm supposed to be. Throughout the pain of heartache, I will never stop serving God, and I will never stop putting my faith in God, because as Matthew 5 verse 4 says, blessed are those who mourn, for they will be comforted. I miss you so much, Dad. Keep sleeping. Me and Dwight will see you in heaven soon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, frères et sœurs, membres de la famille nucléaire étroite, membres de la famille nucléaire élargie, douce, affectée par le destin et les circonstances d'aujourd'hui, permettez-moi de me faire l'interprète de l'Église, de la famille, pour vous accueillir ici en ce moment, ce matin. Je peux te dire qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur de la réalité. Une réalité qui était certainement attendue, prévue. On s'y attendait déjà cet effet. Mais quand elles viennent,
Elle révolte. Elle répulse. C'est comme si on ait du mal à l'accepter parce qu'elle se nomme la mort. C'est apparemment un moment transitoire, mais difficile à gérer. Parce que le cœur s'y attache. Nous sommes impuissants devant cet ennemi, cet adversaire millénaire qui l'emporte constamment sur nous. Nous sommes ici pour saluer le départ de notre frère, mon mari. Donc, le général cruel qu'on appelle la mort, personne ne veut l'affronter. Il est le mal que personne ne peut la dompter non plus. C'est donc le cas de ce vaillant combattant et laborieux homme, allongé dans cette coffre à l'état inerte, sans vie. Car le mercredi 20 mars, le général Cruel vient comme un lion rugissant, comme un tigre ensanglanté, et s'est jeté sur lui et mit terme à sa vie. Et de peu nous pourrions se demander en proportion. Et de peu nous pourrions se demander, il y a-t-il donc une force supérieure en proportion en réalité de la mort? Nous sommes convaincus qu'ici-bas, il n'y a pas de victoire sur la mort. À moins que le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, celui qui se nomme la résurrection et la vie, choisit de venir et de triompher une autre fois de la mort et apporter la délivrance à ses enfants. Cet homme que vous voyez allongé dans cette coffre, qui était-il? Il répond au nom de Louis-Dor lui, fils de monsieur Polydor lui et de Termilia Albert. Il a vu le jour le 25 avril 1962 à Cap-Rouge, 4e section, commune de Saint-Louis-du-Nord. Il a eu la chance de faire ses études primaires chez les mères de Bonneau et ses études secondaires au collège Dantès-Bellegarde de Saint-Louis-du-Nord. Dès son jeune âge, ses parents sont décédés. Après le décès de ses parents, il vivait avec sa grande sœur, Madame Juliette Delva à Saint-Louis-du-Nord. Comme carrière professionnelle, c'était un électricien et c'était un plombier. En 1992, il était remettre la ville à bon Dieu, il était baptisé dans l'église Adventiste Jérusalem de Saint-Louis-du-Nord. Et dans la même année, il était travaillé comme moniteur de l'école du sabbat, il était travaillé dans laïque, il était travaille comme trésorier de l'église, comme président des diacres, ancien, conducteur. Il était presque travaillé dans tout département de l'église, dans l'église Jérusalem de Saint-Louis-du-Nord. Homme talentueux alors a fini par conquérir mon petit cœur en 1997. Étant marié le 28 août, 2001. Ce couple a mis au monde deux précieux enfants. Bien entendu, nous avons gagné Gawin, Haïti. En 2008, nous rentrons ici et nous avons gagné Douai, nous fait Douai en 2010. Pendant nous arrivons ici, il était toujours à militer l'église là. Dans l'église, Jérusalem de Miami. Dans l'église Jérusalem de Miami, il était travaillé comme diacre, comme laïque,
moniteur de l'école du sabbat, et Doka, bon samaritain, et dans un pile l'autre département. Lui dort, mari moi, li pas seulement yon mari, mais yon papa, yon frère, yon zami, et c'est Lili, c'est GPS moi. Parce que tout côté bralé, c'est lui qui pour mener moi. Li pas seulement un papa pour ti moun yo, mais li ses amis yo. Lè li prend jouer avec yo, c'est comme si c'est toi ti moun. Et pendant ce temps nan vie nous ta vive là, nous te gen en pile bel rêve, nous te gen pour nous te réaliser. Et li te toujours ap éduquer ti moun yo, li te toujours ap di yo moun pou yo konnen en premier c'est bon Dieu, li te toujours ap éduquer sur le plan spirituel. Sur le plan éducatif, même les li pa parle en pile anglais, mais li te toujours qu'on a aidé ti moun yo faire des voix yo. Li te un bon exemple. Et moi ta souhaité petit garçon non doy, ta suivre tout bon exemple papa li. Parce que lui dosé te un exemple pour quel que soit moun li côtoyé a. Côté li passé, même s'il ta premier ouvri bouche li, ou déjà ouais c'est un monde de bien, un monde sage. Li te vin ap travay nan Flanagan's depuis en décembre 2010. Côté, li gen 14 ans ap travay nan restaurant côté li t'ap travay la. Et c'est ça qui fait les moments tragiques ça a été arrivé, pas de gen moukras moun qui te ka camper pour te travay encore, restaurant te fermé. Parce que c'est un monde qui pa chanm gen problème avec moun. Li c'est moun tout le monde, quel que soit, même pour les collègues de travail, les nouvelles, ça te paraît, c'était un gros drame. Tout le monde était tombé relé en moi, c'est coup. Et un pilote, mon a dit, c'est première fois que j'ai ça. Parce que les gens qui ont mené mon travail, ils toujours à bay blague avec mesdames. Les lois, ils ne peuvent pas faire bien, ils prennent machine, ils ne peuvent pas faire pour eux. Et en pile, dans eux, ils viennent qu'on est là. Lui dort, lui c'était un exemple pour celui yo. C'est ça qui fait nous est celui yo là pas qu'à consoler, parce que celui yo pas seulement seul pour lui, mais c'était maman, c'était ami yo, et c'était tout pour yo. Grand frère lui encore, c'était des frères, des amis et ses papa et ami li yo. Frère avec celle l'église li yo, parce que li gen un tempérament qui capable aborder à tout le monde. Si nous t'apprend parler de bonté, frère ça, mari moi qui couché dans casquette ça, ti journée a pas t'a suffi pour nous t'a parler de lui. Enfin, la date du 20 mars 2024 a été fixé par le grand je suis. À ce que ses bagages sont pliés pour passer de l'autre bord. Une chose difficile à gérer. Personne ne savait, et lui non plus, si son passeport était déjà scellé pour le voyage de l'au-delà. Et laisse la famille entière dans une profonde tristesse. Que le ciel de gloire et de félicité recueille vos âmes et soit pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci. Mes frères, mes sœurs, membres de la grande famille de Jérusalem, nous sommes arrivés à l'heure où nous allons écouter la parole de Dieu par pasteur Maxime Pape. Mais bien avant, je vous invite à louer Dieu. Et nous pouvons dire à la manière de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après la louange,
viendra le quatuor de Jérusalem pour exécuter un chant spécial. Bonne adoration et bonne écoute. Jésus, pour la vie, pour
qui sauve ta grâce et y va qu'un même loin pour mener dans tes promesses qui dans jour glorieux ça va Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux.
Il est un pays de désormais, d'une ravissante beauté, où l'on ne connaît plus de l'homme, où tout est parfait.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres de la famille éplorée, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes ici réunis en ce jour combien triste et difficile pour saluer le départ d'un homme de Dieu, d'un citoyen de valeur, d'un chrétien hors pair, d'un bon mari, un bon papa, un frère exemplaire, un bon confident. La vie de frère Louis-d'Or Louis, c'est la vie d'un homme rempli de courage et d'amour. Amour non seulement pour les membres de sa famille, mais un amour sans pareil pour tous ceux et celles qu'il a pu côtoyer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous qui êtes ici présents en ce jour, vous connaissez tous les circonstances qui ont entouré le départ de frère Louis-d'Or Louis. Une mort quasiment subite. Il était à peu près minuit et quelques. Le téléphone de son épouse a sonné. Celui qui était au bout du fil, c'était bien son mari, son chéri, Louis-d'Or Louis, pour lui dire, je ne me sens pas trop bien. Et il a dit à son épouse, je vais me reposer un petit peu dans l'auto, et après quoi je pourrai continuer à travailler. À peu près 2 heures plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Et la personne qui était au bout du fil, ce n'était plus Louis-d'Or. Quelqu'un d'autre lui annonçant que son mari a été transporté d'urgence à l'hôpital. Et tout de suite, elle est partie pour l'hôpital et arrivée à l'hôpital. Elle a pu constater le corps inerte de son mari.
vous prêchez avec des mots vides à bon marché, car elles ne consolent pas. Je veux tout juste, en cette circonstance combien difficile, ouvrir une piste qui peut-être trouvera écho en vos cœurs et vous permettra de trouver pour vous-même un chemin de consolation, d'apaisement et d'espérance. Oh, je veux me référer à l'expérience de Job dans l'Ancien Testament. Et pourquoi pas aussi me référer à l'expérience du Christ qui est mort sur la croix. Avez-vous pensé à Job un moment? En réfléchissant sur l'histoire de Job, je me suis dit, c'est une injustice. Nègre n'a pas fait rien. Il n'a pas fait rien mal. Satan a le côté bon Dieu. Et bon Dieu dit, Satan, est-ce que vous êtes serviteur maintenant? Et Satan de répondre à Dieu pour lui dire, mais oui, moi, lui. L'a bien mené. L'a bien mené. L'a une belle famille. À moi, oui, lui. L'a bien mené. L'a une belle machine. L'a une belle caille. Au moins, oui, lui. L'a un paquet de bien. Raison que fait l'a bien mené comme ça, c'est parce que vous protégez. C'est parce que vous bénissez. Et Satan de dire à Dieu, retirez bénédiction, retirez protection en souli, et bien, ouais, est-ce que Job a toujours été fidèle avant? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la coupe a tremblé dans la main de Dieu parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui encourage. C'est la présence de Dieu qui protège. Sans la présence de Dieu, sans la protection divine, sans la bénédiction de Dieu, c'est la vie mince sur la terre. Et bon Dieu dit, on vous pensez, c'est parce que, eh bien, il y a tout bien ça, l'a bien mené, qui fait que, eh bien, l'a servi comme ça, eh bien, ok, moi retiré. Protection. Et Satan lui frappe Job. Job perdu tout petit mounio. Lui frappe Job, lui perdu tout bien. Seul sa Job pas perdu, c'était madame ni. Et ou même kap li histoire ça kounye là, ou capable dire c'est injuste. L'or ou pas fan rien. Et puis c'est où qu'a payé pour casser ça? C'est injuste, c'est révoltant. Nous pas capables encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et dans moment ça yo, son seul mot qui rete dans bouche nous, pour qui? Pourquoi? Why? Why? Pour qui ça? C'est Louis d'or s'arriver. Valet vagabond bandit qui gagne. Valet nèg qui pas occupé petit yo. Valet nèg qui pas occupé madame yo. Valet nèg qui pas respecté famille yo. Pour qui ça? C'est Louis d'or s'arriver. Pourquoi? 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 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pourquoi as-tu fait de moi, Seigneur, la cible de ces coups fatals? Job, il a parlé avec bon Dieu, il n'a pas jamais caché main pour le voyer. Job te dit, bon Dieu, carrément,
je le senti li, Seigneur, pour qui ça? Ou qui t'aime prendre toute frappe ça yo? Pour qui ça, Seigneur? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dit Jésus à la croix. Job, de son côté, dit, pourquoi fais-tu de moi la cible de tes coups, Seigneur? Et yon nan bagay que bon Dieu pas gen problème avec lui. Dieu accepte que nous posions des questions. Bon Dieu pas gen problème pour nous poser des questions. Parce que il est le Dieu qui comprend et il entend et il répond toujours. Aux réponses que le bail là, gen doit, c'est pas lui-même. Ou même ensemble avec moi, nous t'a remé qu'on est. Mais Dieu répond. Quand ses enfants lui parlent et quand ses enfants posent des questions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, ces questions sont peut-être en ce moment les seules paroles que vous puissiez dire à Dieu, les seules qui aient du sens pour vous, les seules qui puissent libérer cette trop forte pression de la douleur et de la révolte qui gronde en vous. Si vous êtes là aujourd'hui dans cette église, c'est parce que justement du fond de votre détresse, du fond de votre désarroi, vous voulez chercher un sens à tout cela auprès de Dieu. C'est parce que malgré ce qui vous arrive, vous voulez continuer à essayer de faire confiance à Dieu et lui adresser cette prière. Seigneur, pourquoi? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que malgré votre abattement, vous voulez continuer à espérer dans les bontés du Seigneur. Frèm, sèm, zami, kapten dem jodi a, Job avec Jésus, yo tous les deux te lutte ak bon Dieu. Yo tous les deux lutte ak bon Dieu. Job dit bon Dieu, m'ap rappelé non, li dit bon Dieu, pour qui ça? C'est moi-même qui cible attaque ça yo. Et Jésus lui-même lui dit bon Dieu, pour qui ça ou abandonner moi? Oh, en ce moment, pendant que m'a fini m'a pas arrêté trop long, Veo, Gawin, Dwight, si gon moun ki comprenne douleur non, jodi a. La merci, si gon moun ki comprenne douleur jodi a. Juliette, Lucienne, Jean-Renold. Si gon moun ki comprenne douleur non tout bon vrai. Moun sa li rele bon Dieu. Parce que li te souffri en pile. Le loué seul petit garçon nan. Cloué sur la croix et que lui dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, en cet instant, oh, je sais que vous avez beaucoup de questions. You ask a lot of questions. Why, Lord? But God is the only one that can understand your whys. God is the only one that can answer to your question. Because he has lost his only son. Oh, as I close today, do not despair, because the only one that have the key of death, the antidote for death, his name is Jesus. Lo passé maladie, grand moun la kay mwen ta di, pas là avec moi non. Lors passé maladie ou qu'on remède ou qu'on remède. Jésus passé maladie là en moi et Jésus gain remède là.
Oh, Jésus, gain remède là. Il est tellement gain remède là. Eh bien, en la présence physique de Jésus, pendant le temps sous terre, l'amour pas capable de frapper. Et moi, je viens là pour me dire, je dis, gagne un jour tant que je dis. Oh, les m'attendez, Gawin a parlé. Eh bien, un jour, Gawin, tant que je dis, ça dit à celui même qu'a fait et l'a fait tout bon vrai parce que moun sa qui relait Jésus a li passé par la mort mais la mort pas capable kembe li dimanche matin bien bonheur li ressuscité et s'il capable passer par la mort li gen clé la mort et gon le k'ap rive l'a l'ouvri porte tombeau et frère Louis d'or papa o Marie ou veo la sorti dans tombeau et laisse ça l'amour pas capable gè aucun pouvoir sous lui encore et laisse ça ou même ensemble avec moi n'a joine avec Jésus pour nous passer l'amour dans risible pour nous dire oh mort où est ton aiguillon oh mort où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, joue ça, l'est presque arrivé. L'est presque arrivé pour la simple et bonne raison. Les m'a gardé, moi, ouais, ça qu'a passé dans le monde là. Eh bien, moi, capable de dire, la mort, range corps, soit pour faire, fais-le vite, parce que, mettre que, l'est pral vini. Mais que l'on mort va venir. Oh, frère, avec ce moyen. Oh, m'ta remé là. Et m'ta remé là pendant que m'a fait volonté, bon Dieu, toujours. Pour que les mettre que l'on mort vini, les tout tombeau yo pral pété l'ouvri, le louis d'or ap sorti dans tombeau, s'il te gen maladie après le bois chat. Eh bien, l'a ressuscité avec un corps incorruptible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi pas qu'attendre pour que moi capable ouais jour ça arriver. Et la Bible dit moi les Jésus retourner. Eh bien, moun sa yo qui mouri pendant yo t'a fait volonté, eh bien sous terre et si la yo qui a vivant eh bien, le Jésus tourné pendant qu'il a fait volonté. La Bible dit moins que a gen yon grand rassemblement, a gen yon grand réunion. Nous tous n'a fait yon seul. Nous allons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et quel grand jour ce sera. Ou imaginez, pendant que moi-même, ensemble avec Louis d'Or, avec Gawin, avec Dwight, avec Véo, avec la Merci, avec Jean Reynold, eh bien, et nous tous qui là, qui croit dans la résurrection de Jésus, eh bien, n'a pas capable de faire un seul pour nous monter dans le ciel là. Et les nous presque arrivés, moi dis, les nous presque arrivés, gon premier choral qui va commencer à chanter pour dire comme ça, porte, élevez-vous les taux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis deuxième chorale là, après répondre pour le dire, qui donc est ce roi de gloire? Et toute chorale, y a mettez ensemble pour y dire, l'éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Et puis porte là à pété l'ouvrir. Et puis nous tous, n'a fait une seule, nous allons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et nous vivrons avec Jésus dans le ciel pendant 1000 ans et sur la nouvelle terre pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Disons amen encore. Je tiens à remercier notre pasteur, pasteur Maxime Pape, pour ses sages conseils pour diguer à la famille implorée. Special thanks on behalf of our family. We sincerely appreciate your overwhelming support, love, presence, warmth, and comfort and encouragement. Our family appreciate
the abundant act of kindness show to us during of time of bereavement. Famille, remercier, passer par moi-même pour remercier tout le monde qui fait déplacement pour le moment ça. Li apprécier également support nous pendant ces circonstances-là et li content de ce que nous kembeli pendant moment ça. Nous pral mettre fin la service là et nous croyons que après service ça a fini, après aller faire dernier service à la cimetière et après ça n'a retourné encore la même place ça côté que n'a continué venir supporter famille. Et le moment ça n'a demandé pour capable mettre nous debout pour le dernier chant au numéro 504. Oh, quel beau jour devant ta face, tout terrasse, terre par étoile, en célébrant ta gloire et ta grâce, dès leur chant, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cet homme innombrable, serrant reflet dans l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'ange, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable bleu des plages. Nous nous inclinons pour la dernière prière. Notre Seigneur et notre Dieu, à toi la gloire, à toi la victoire. Nous remercions pour l'opportunité pour te permettre que le moment ça
dans ces circonstances et que vous avez prodigué à la famille des conseils. Tandis que Nabral continue avec les services là au cimetière. Et nous demandons pour capable toujours bailler aux forces, support que nous-mêmes en tant qu'humains, nous pas capable. Mais nous sommes certains que nous sommes avec vous. Oui, vous avez besoin de ça, l'amour de ça. Nous disons merci de ce que vous avez venu en aide. Et nous comptons sur vous. Et tandis que nous pourrons quitter lui ça. Côté que nous pourrons rendre nous au cimetière. On va prendre contrôle, moment pour nous, et tous capables de faire avec présence. Et ce sera pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus de Nazareth, à lui seul, ça y soit la gloire, la magnificence, l'honneur au siècle des siècles. Amen. OK, asseyez-vous. Yeah. At this time, we call to please the funeral. Spéciale condoléance. Moi, monsieur, tout le monde qui vient là, tout le monde qui supporte la famille, ça. Et demandez-nous, grâce pour nous toujours, toujours kembeyo, nous prions nous, toujours supporter nous, parce que nous avons deux adolescents là. Nous passons là dans tout, nous grandissons orphelin. Toi, may God bless you, stay strong. You're the man in the family right now. Okay. And my advice to you is to stay closer to God. Your sister and your mom and your education will be the must for you. That's the exit in life. That's the exit in life. Moi, merci famille en tout pour que tu aies choisi entreprise funéraire Emmanuel. Madame Louis-Dor, ou plus forte que je pensais. Ou plus forte que je pensais. Mais au moment ça, nous allons commencer avec la présentation de fleurs. Et nous allons commencer avec ça. The cord. Fleurs, ça c'est pour Monsieur Louis-Dor. Nous sommes capables d'exprimer des paroles dans la vie, nous. Ou t'es important pour nous, ou quitter un gros trou vide dans la famille, nous. Que terre léger pour vous, bon départ. Rivière Clermont, Josapha et famille. Rest well, my brother. I wish, I miss you dearly. I love you always and forever. From your big sister, La Merci, Charles. Rest in peace, my brother. I will miss you. From Lucienne Louis.
qu'on peut lever. In loving memory of Louis Dor, Louis, brother, you are gone, but not forgetting. I miss you, your loving sister, Juliette Delva. In loving memory of Louis Dor, Louis, Dad, I don't find enough words to express my gratitude to you for all you have done for us. All your advices are remembered. Your son, Dwight Lewis. In loving memory of Louis, Louis Dor, Louis, you will always be in my memory. I miss you dearly. See you soon when Jesus returns. From your loving wife, Vionnie Louis. I miss you so much, Dad. You will always be in my heart. Love you forever. Your daughter, Luz Louis. See you soon when Jesus returns. We present our heartfelt condolences to the entire family, from your church family at Jerusalem SDA Church. We miss you. You will forever be missed. We love you, and we will be forever, and you will be forever in our hearts. From Amora, I love you. Other Papa, Adler Louis, Caitlin Louis, Natalie Louis, and Brian Louis. Would you like to do a live viewing? Okay. Right now, the ceremony is about to finish. The last word is going to be for the pastors, and then we will depart to the cemetery. M'a dit tout moun kon sa, encore merci pour présence nous. Dans le moment la service semble fini. Nous allons aller dans le cemetery, dans Miami Lakes, Redwood, c'est Vista Memorial Gardens. M'a dit pour tout moun, s'il vous plaît, allons discipline, l'humain emergency lights nous qui hazards nous yo. L'humain, rete, pas essayer de doubler l'autre. Il y a 4 policiers scott de yo qui vont escorter un cortège là pour nous arriver dans ce cimetière là. Et puis, après ce cimetière là, famille invite nous pour nous retourner ici là, pour un restaurant, pour une petite réception. Demandez pour nous séparer avec lui au nom de frère Louis Dor Louis. S'il vous plaît, continuez à supporter la famille là. Continuez à supporter la famille là. Ma soeur, courage, courage. Courage. Maintenant, ces gens vont descendre en premier pour saluer les membres de la famille. Ensuite, salutation va continuer par les autres frères et sœurs. Après quoi, nous allons aller sortir ensemble pour nous suivre le cortège là jusqu'au cimetière pour participer dans la deuxième partie et retourner ici encore pour la troisième partie de la journée. Merci.